C'est la partie. We're going to start the match. And we're going to start with Hong Kong with the jack ball. Oui, la joueuse de Hong Kong qui joue dans un spot très populaire depuis le début de la compétition, aux 3 mètres légèrement sur sa gauche. Joueuse deuxième mondiale, vraiment très expérimentée. Très belle première balle qui va venir gêner son adversaire. Peut-être un tout petit peu forte pour dire que c'est une balle parfaite, mais pas quand simple même bien placée pour devant son adversaire. Oui. Avec l'angle là, que là. Et on a une joueur qui joue avec la main gauche. Oui, demain. Le joueur de Hong Kong, j'ai vu droitière. Ah, oh, c'est bien. Elle voit quand même le cochonnet. Exactement. C'est très bien. So she could see the jack ball and she was able to put her ball in play and regain the point here. La joueuse de Hong Kong qui se retrouve dans une position délicate après avoir un petit peu manqué sa première balle. Là, il va falloir ouvrir le jeu. C'est pourquoi elle prend sa balle faite pour ça. La Tutsi, elle va rentrer vraiment en force dans la balle bleue. On verra le résultat. L'objectif est atteint. La balle bleue s'est décalée un petit peu sur le côté. Le cochonnet a reculé. Jack cochonnet complètement ouvert. On s'attend à une partie comme ça où les deux joueuses vont se rendre coup pour coup, aller placer une belle balle en avant, se la faire enlever, replacer une belle balle en avant. C'est une catégorie où le score bouge beaucoup comme ça en fonction du temps dans la manche. We're expecting a game where both athletes are going to be countering each one of their shots. We place one, we displace one, we place one, we displace one. And again, the athlete that uses the least amount of balls to attain any shots or goals will help them score here and get into the advantage. So got rid of that red annoying ball there and cleared the way for her next shot. Exactement, la balle rouge qui a été enlevée, qui gênait la joueuse de la Hongrie. Maintenant, elle a un accès assez direct pour le jack. Et je serais tenté de dire qu'elle le reculerait un petit peu pour aller se mettre en bonne position avec sa balle un peu plus sur la gauche. We came shy of her expected outcome here, a little bit on the right of the pack. Need to make some adjustment there in order to squeeze in between the blue and the red that are in front there. That's better. That's exactly what she wanted to do with the other ball. Donc, elle voulait faire ça avec l'autre balle. Elle s'est réussi. Oui, elle est venue se placer dans le petit endroit avec pour la reprise. On voit bien. Il va lui manquer une petite poussée sur cette balle-là pour reprendre le point et laisser son adversaire jouer. Voilà. C'est réussi.
She puts the blue ball. She takes the point. Unfortunately, her ball doesn't go over. Parce que je pense que si elle avait été juste en arrière, ça aurait été très gênant pour son adversaire après de faire quoi que ce soit. Mais on peut voir des athlètes qui jouent vraiment très très proche du cochonnet. So much traffic there, it's hard to tell what the next shot will be. Maybe space split up the blue between the two. Probablement exposer les bleus et puis espérer que sa balle rouge continue. Ou un lob. Oh, a lob. Oh, interesting. C'est ça fait partie des top joueurs au monde. Very nice executed lob. Poussée qui sera suffisante pour reprendre le point. Exactement. Puis she's protected there, a lot more protection. With only one ball left for Hungary, it's not an impossible task, but it would be very difficult to score on this. But like I said, we'll see what she's able to do. I don't see any opening. Do you see one, Dimitri, an opening here for her? Non, ça semble très compliqué d'aller reprendre le point. Maintenant, il faut rentrer au milieu, je pense, entre les deux rouges, puis essayer d'aller le plus proche du jack, peut-être, au milieu. De rouler par-dessus les balles en avant. Malheureusement, ça n'a pas compté comme elle voulait. On va voir maintenant si la joueuse de Hong Kong est capable de soit placer une balle en arrière en utilisant la même technique, en faisant rouler sa balle pour qu'elle passe par-dessus ou en poussant une de ses balles en avant. Alors, un point. Tout ce qu'elle peut aller, là, parce que il y a encore un petit peu d'espace, peut-être, ici, mais elle n'a pas l'angle pour ça. Un petit peu à droite de la bleue, sa rouge à droite. The red one on the right there by the blue. Maybe if she can get a little push on that. She has to go by. Maybe there's space there between the balls and the blue. Oui, poussée sur sa rouge et la balle de poussée qui reste, qui avait donné 3 points, je pense, avec l'arbitre. 4. Wow. Belle grosse manche ici. On commence en... We started with a bang here with 4 points. Oh, on s'apprête à lancer le cochonnet ici pour l'Hongrie. Donc un peu plus loin que Hong Kong, ici pour l'Hongrie. Oh, 4 mètres. Exactement. She went a little longer with the jack than the Hong Kong player. Very important first ball here. Took a bounce and the jack is exposed. So we'll see if Hong Kong can take it back. Donc ici, le cochonnet reste très très ouvert pour la joueuse du Hong Kong. Oui, c'est ça. On a vu la joueuse hongroise pas très contente de cette première balle qui vient vraiment sur le côté. Je pense pas qu'elle servira à grand chose tout au cours de la manche. On préfère des balles en avant, même un peu courtes, qu'on peut pousser ou dès que la balle s'éloigne un peu sur le côté, elle devient beaucoup moins utile. Exactement. Bon. Et
Très bonne balle pour Hong Kong. Donc, c'est pas c'est exécuté à perfection. So again, Hong Kong take this jack away from Hungary right now. We'll see what the player will do on their next one. Vraiment dans la bonne ligne, à bonne distance, même une explosion ne changera pas considérablement le jeu. On va voir si la balle touche, c'est le cas, mais comme voilà, les deux balles se sont entrechoquées, puis la balle rouge reste en avant. With that amount of distance between the jack and the red ball, even a contact can push everything behind, but really the distance between the two balls have remained pretty much the same. On croit qu'il a décidé d'y aller en placement, qui a pour l'instant juste rapproché la balle rouge du cochonnet. Sans doute essayer de faire une poussée sur sa bleue maintenant qui pourrait reprendre le point si c'était une poussée efficace. Our options are to push her blue towards the jack. She opened up a bit of a pocket there, but I'm thinking that the red is still closer. Exactly. La joueuse hongroise qui aura déjà joué sa cinquième balle, si elle arrive à reprendre le point maintenant, alors que la joueuse d'Hong Kong en a joué qu'une, c'est jamais de bon augure pour la suite. Five balls are replayed. If she gets this shot, we're only against only one by the Korean athlete. Même 6 en mettant la balle rouge juste en arrière du jack, donc même si celui-ci reculait, il viendrait se coller sur la balle rouge. On peut s'attendre à quelques points encore de marquer de la part de la joueuse de Hong Kong sur cette manche. Ouais, ça va être quand même assez simple pour une joueuse de Sky Blue, je pense, de tasser la balle bleue et puis après de venir mettre 3 ou 4 points sur en tout cas là, elle en a la possibilité puis les capacités. So it's gonna be I think easy for the Hong Kong player to remove the blue ball in front of on the jack and after that have a pretty open space to score 3 or 4 points again in this hand. Exactly what the player expected, I think. Pas exactement ce que la joueuse espérait faire. Push towards. She wanted to take that blue elbow, but missed it and got push the jack and the red ball back. But again, the outcome is still the same. It's still a point. Oui, et puis elle va refaire la même chose là. Faut qu'elle enlève cette balle bleue pour après aller avec ces 3 balles qui lui restera. Voilà. Okay. Maintenant, elle peut se servir de cette balle bleue sur le côté en appui, venir s'appuyer soit sur la balle blanche, soit sur la balle bleue à côté. Donc, marquer minimum 3 points, je pense, sur cette manche-là. 2 placements assez simples sur ces 3 balles restantes et puis peut-être même un quatrième point. Oh yes, we're looking at an opportunity for the Hong Kong team to come and score a few points with an open jack. She has a blue ball to lean up against. It's definitely something that she could probably attain with lots of ease here. Voilà. It's, quand vous avez des appuis comme ça, il suffit d'avoir la bonne ligne, la puissance importe peu. On peut, tant que la balle se rend, elle peut vraiment s'arrêter en cognant sur les autres balles, donc ça rend le coup plus facile. Mm-hmm. Beaucoup d'appui là pour marquer assez facilement 3 ou 4 points. Voilà, le troisième.
plus compliqué là maintenant d'aller mettre sa dernière balle. Il faudrait arriver juste entre les deux balles rouges et puis éventuellement grimper sur le dessus, mettre beaucoup de puissance. C'est ce qu'elle a essayé de faire, la balle a levé, mais elle n'est pas restée. On regarde à 3 là. Il faut enlever une des balles pour voir. Je pense qu'il va y avoir une... 4, peut-être. 4 points acceptés par les deux joueuses. Bon, OK. J'aurais fait mesurer une des balles bleues. Be more successful and with every shot and see what happens. So Jack is in play. Third end from Hong Kong. Let's see what happens here with her first ball. Another excellent first ball, une première balle excellente de la part du joueuse de Hong Kong. It's going to give the Hungarian player a difficult task, maybe. Je ne sais pas. Avec une balle normale, pas de touti. Est-ce qu'elle va vouloir quand même ouvrir avec cette balle-là? Peut-être. Directement venir se coller au prochain net. Oui, c'est ça. C'est comme un entre-deux. On vient faire une petite poussée, mais on sait que sa balle va rester. Donc on ouvre un tout petit peu le jeu, mais éventuellement on peut se servir de cette balle-là après comme appui pour se placer devant le cochonnet. C'est a little bit more conservative here, not as aggressive in blowouts of this situation. So she's really trying to build on her every shot. Closing up the gap there. And not enough. Maybe time to attack that red ball. Je pense qu'elle va vouloir rentrer dans l'espace fermé. C'est sûr que c'est déjà une troisième balle de jouer pour récupérer le point. Avec un peu plus de puissance, le Jack aurait vraiment reculé derrière ces deux balles bleues. Je pense qu'elle a manqué un petit peu de puissance là-dessus pour tasser complètement la rouge et reculer le Jack en arrière de ces deux bleus. Oui, parce que c'est sûr, ça prenait un peu plus de pouvoir. It would take a little bit more of a powerful shot to have a different outcome here. Okay, so she went pushed in hers. Only one ball scoring, in spite of all the balls that are around the jack. And I'm thinking that Hong Kong will go in strong, split that open, back up the jack. And let the Hungarian player play the two last ball. Yeah. Oui, c'est assez simple. Il faut aller en force entre les deux bleus, écarter en avant, reculer le jack, reprendre le point avec cette balle-là ou la balle en arrière et laisser la joueuse de la Hongrie terminer. C'est pas suffisant. Il manquait un petit peu de puissance là aussi pour vraiment changer les choses, mais elle va pouvoir venir pousser sa balle en avant. Pourquoi elle prend une balle un petit peu différente? C'est une balle qu'on parle depuis le début de la compétition, la Tutti. Un balle qui est là pour pousser ou écarter le jeu. So she took the tutti and she pushed the red one enough to score. Yes. And let her opponent play again. Donc la tutti a fait son travail. Peut-être c'est avec ça qu'elle a dû aller au premier lancer, mais on a tenté avec une différente sorte de balle. On peut prendre plus de risques ici quand on mène par 8 points. On est allé en pousser, mais la bonne couleur.
Ouais, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a été chercher avec cette balle-là. Il restait là tout petit, elle a pu aller peut-être déjà défensif un petit peu. Là, c'est peut-être ça qu'elle va chercher, mais elle laisse encore 3 balles à son adversaire pour finir. C'est beaucoup. Une joueuse qui est capable de lober. Si elle lobe, elle score avec la balle d'en arrière et peut-être aussi avec sa balle de lobe. À 8-0, elle peut se permettre de prendre des risques comme ça, d'essayer des choses. Donc, So again, like we said, it's basically this. The Hong Kong player has 3 more balls, and is scoring right now. It's possible that she can, work the backside of the jack right now and try to get a ball behind, climb, push one in. Ouais, bien sécuriser 2 points, je pense, avec cette poussée là. She's definitely showing a lot of composure, calm. It's easy to stay calm and composed when you have a lead like this. But she has been demonstrating that kind of maturity and everything since the beginning. It's a sign of a top-level athlete here. Your skill are one thing, but your composure is another one that helps you with your success, that's for sure. Donc, les athlètes qui restent calmes, qui peuvent être... de l'extérieur demeure calme, ça fait une grande différence dans leur jeu et leur exécution de leur lancer. On a ici possiblement 3. Non, 2. Non, 3. Oui. C'était, premièrement, la balle en arrière était tellement loin, il y avait 3 balles plus proches. We're going to start now with putting the jack in play. Donc maintenant, c'est le tour à Longry, la dernière manche ici aujourd'hui, de mettre le cochonnet en jeu. Ce qui est fait, presque un peu plus loin que tantôt, mais dans la même région. So we're going a little bit longer. On espère une belle première balle, qu'elle donne un petit peu de... Le challenge à la joueuse de Hong Kong dans cette dernière manche. La puissance était bonne, la ligne un petit peu sur le côté. C'est dommage, ça laisse le jack ouvert à la joueuse de Hong Kong, mais quand même proche. On a 2 balles, une balle de chaque côté. Maintenant, on a un bon point d'appui pour le joueur d'Hongrie de remettre la balle sur le cochonnet. Oui, là, et voilà. Je vais même essayer d'éventuellement le reculer un petit peu pour vraiment se mettre en avant et la rapprocher de sur notre balle. On va voir. Bon lancer ici. Très bien, elle se met en avant. Calme, elle passe une balle en avant qui squeeze les 2 autres, puis là en venant faire une poussée, elle espère récupérer le point.
elle en force pour pousser un peu, puis ça a réussi. Elle a poussé sa balle vers le cochonnet, donc maintenant, c'est au tour de la joueuse de Longry de venir et contrer ça. We have a good push from the Hong Kong player, and now Hungary has to work hard to regain the point. Oh, nice. Nice one. Nearly climbed it. Stayed it, but didn't stick. Good. Oh, Posse that still need to push some more. C'était pas assez pour reprendre le point. On va y aller encore. Un peu plus délicat, là. Oh, oh. Voilà. Bon. OK. Ça, on a réussi efficace à cacher le cochonnet derrière plusieurs balles bleues. Donc on va voir qu'est-ce que le joueur d'Hong Kong va faire avec cette situation ici. Parce que tout est possible. Oui, il y a encore un peu d'espace, mais difficilement atteignable. Donc il faut vraiment faire rouler la balle là, en espérant qu'elle se faufile ou qu'elle passe par-dessus. Not enough to change anything. Probably. Bon, parce que là, comme c'est là, on regarde à 3 points pour bleu. Là. Ouais. Il reste 2 balles. Toujours la possibilité de grimper. Je pense que ça va être ça, c'est de faire rouler vraiment et hop. Voilà. Voilà. Donc, un coup parfaitement réalisé. La balle qui roule, climb. Qui grimpe et qui vient se mettre en avant. On passe de 3 bleus à 1 rouge en un coup parfaitement exécuté. De Longry qui est venu taper contre sa propre balle. Maintenant, ça fait quand même beaucoup de balles en avant. Ça va être compliqué de changer quoi que ce soit. Voilà. Un petit peu trop tard. Donc, elle a décidé d'arrêter le jeu parce qu'elle a un point, puis les points pour et contre ne comptent pas, puis c'est déjà beaucoup de points. Hong Kong player has conceded the last ball, and so the final score is 12 to 0.